Vous le savez sûrement, les 10 dernières années, nous avons perdu à peu près 500 postes. Les conditions de travail se sont dégradées. Nous n'avons toujours pas d'outils, notamment au niveau des établissements qui soient en capacité de nous faire travailler dans de bonnes conditions. Nous sommes donc mobilisés aujourd'hui pour signifier au gouvernement que nous ne sommes pas d'accord avec ces décisions. Nous ne souhaitons pas voir de suppression de postes. Nous refusons de voir la réforme des lycées se mettre en place telle qu'il le prévoit, puisque nous savons pertinemment que cette réforme n'est mise en place que pour pouvoir justifier les suppressions de postes qu'il est en train donc d'opérer. L'autre chose qu'a dit Blanquer, c'est qu'il va supprimer sur la réforme des lycées. L'objectif, c'est de supprimer des postes. C'est pas autre chose. Il a dit devant le Sénat, l'objectif, c'est pas de supprimer des postes. Donc c'est une première journée de mobilisation. Il faut que ça continue. On compte sur vous pour les prochains jours et de mobiliser vos collègues. On sait qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont en grève complète, mais il faut dire aux collègues, c'est bien de faire grève, et c'est vraiment bien de faire grève, mais venez manifester. C'est important pour nous. La DGESCO est là aujourd'hui, et ben il faut qu'elle montre que la Guadeloupe est mobilisée. Sinon, ils vont faire passer ça. Donc on commence aujourd'hui, on continuera les prochains jours, et je compte sur vous.